Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Jean-Christophe Ansanet, créateur culinaire aux deux étoiles et propriétaire de l'Auberge de Lille. Alors Jean-Christophe, tu as un parcours assez impressionnant. Tu as travaillé donc pour la famille Onassis, tu as travaillé chez Orsi. Comment est née ta vocation ? Tout d'abord, bonjour Sophie, bienvenue en Île-Barbe. Ma vocation, en fait, je voulais être pâtissier moi au départ. Quand j'étais petit, j'étais bien rond. Et j'adorais faire des gâteaux et manger les gâteaux également. Pour être pâtissier, tu ne peux faire qu'un CAP. Et il faut avoir au moins 16 ans. J'étais plutôt doué en études. Mes parents m'avaient mis chez les maristes. Et donc, j'avais que 14 ans quand je suis sorti de 3e. Et je voulais pas faire une seconde et une première pour ensuite refaire un CAP derrière. Donc du coup, mon père m'a conseillé le BTH, le brevet de technicien hôtelier, un diplôme qui n'existe plus aujourd'hui et que j'ai fait à Thonon-les-Bains. Voilà, qui était la meilleure école apparemment à l'époque. Et ensuite ? Ensuite, j'ai travaillé avec différents chefs importants. Et puis un jour, je suis revenu sur l'Île-Barbe pour aider mes parents. Mon père était malade à cette époque. Et puis finalement, je ne suis jamais reparti, je suis resté ici. Tu es très attaché à l'Auberge de Lille, puisque c'était le restaurant de ton père. Oui, restaurant familial. J'ai 45 ans, ça fait 43 ans que je vis sur l'Île-Barbe. Voilà, par ma voisine Laure Bérard, je suis le plus ancien résident de l'Île-Barbe. Quel genre de cuisine fais-tu ici ? Alors, tout d'abord, une cuisine de saison, hein, puisque la vie est bien faite, donc on n'a pas envie de manger la même chose toute l'année. Donc chaque mois, on change de carte. Toujours en harmonie la plus que parfaite possible avec les saisons. Mmh. Et puis je dirais une cuisine contemporaine, c'est-à-dire je ne suis pas dans le moléculaire, je ne suis pas dans l'ultra classique. Hein, si on doit trouver un chemin entre Paul Bocuse qui fait une cuisine très classique et Ferran Adria qui fait une cuisine très moléculaire et très moderne, on a un joli champ, un joli terrain de jeu pour s'amuser. Voilà, je navigue entre les deux. Est-ce que tu as un plat signature ? Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, la cuisine, c'est bien plus que des recettes. Donc, en ce qui concerne le plat que l'on va vous présenter, fricassé de tous les jeunes primeurs du printemps, c'est évidemment par rapport aux produits que vous allez trouver sur le marché. Nous, aujourd'hui, on a dedans de la tomate cœur de bœuf, des petits radis roses, carottes, navets, asperges, petits pois, pois gourmands. Voilà, c'est tout un tas de variétés. Ensuite, simplement un filet d'huile d'olive noire des Baux-de-Provence et un petit graissin. Un graissin, c'est comme un petit pain très fin et qui est enroulé de lard gras de Colonnata, un lard qui nous vient de la région de Carrare en Italie. Un lard avec un goût très particulier. Voilà, donc n'oubliez pas que tout ce qui est légumes verts, on fait cuire à l'eau bouillante fortement salée, puis rafraîchie ensuite dans une eau fortement glacée pour avoir ce contraste de température et bloquer la chlorophylle sur tout ce qui est légumes verts. En revanche, les autres légumes sont cuits en cocotte avec une petite pincée de fleur de sel de Guérande, quelques brindilles de thym pour parfumer l'ensemble et puis dresser artistiquement dans votre assiette. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Parfait, Sylvain. C'est très beau. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. On en a quelques-uns. Bien sûr, je pense qu'on a été très reconnus avec notre velouté de cèpe dans l'esprit d'un cappuccino avec une petite mousse de lait et quelques cromeschi de foie gras qui accompagnent. Bon, il y a notre humble chevalier aussi à la peau croustillante. Il y a notre agneau de lait cuit en croûte de sel. Et puis maintenant, un nouveau plat qui est l'agneau. Une selle d'agneau farcie à la royale, qui est un plat que l'on avait préparé pour Versailles, mais je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard. On en parlera après. Le meilleur conseil cuisine que tu aies reçu est celui que tu préfères donner ? Alors, celui que j'ai reçu, je pense que c'est d'un garçon qui s'appelle Alain Chapelle, pour lequel je n'ai pas travaillé, mais simplement, le titre de son livre est assez explicatif, c'est « La cuisine, c'est bien plus que des recettes ». J'ai beaucoup de gens qui viennent chez nous en cours de cuisine et qui attendent absolument la recette, etc. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc le conseil que moi je donne aux gens, que ce soit des femmes, des hommes, puisqu'on a les deux qui viennent en cours,
c'est la cuisine, ça ne s'apprend pas, ça se comprend. Voilà. C'est pas une fiche technique. Bien sûr qu'il y a des fiches techniques pour savoir à peu près comment c'est fait, mais comprendre une recette, c'est tout est basé sur la sensibilité de la compréhension et non pas sur on met tant de grammes de choses, tant de minutes dans un four à temps. C'est une alchimie, quoi. C'est bien plus complexe. Voilà, c'est une alchimie. C'est bien plus complexe que quand on veut télécharger, par exemple, un fichier. Sur votre ordinateur, il y a une procédure à suivre. En cuisine, c'est jamais deux fois pareil. Voilà. Quelques mots sur ton expérience londonienne et tes rapports aujourd'hui avec Jean-Michel Aulas. Mes rapports avec Jean-Michel Aulas, malheureusement, il ne vient plus déjeuner chez nous ou dîner. Londres, c'est quelque chose de terminé. Il y a eu une procédure, enfin même plusieurs. Donc on ne reviendra pas dessus, il y a des choses qui ont été signées entre lui et moi, un protocole d'accord. Mm-hmm. Donc lui s'occupe de Londres, moi je m'occupe de l'île Barbe, chacun, voilà. Au niveau de la cuisine, de la mentalité londonienne, c'est vraiment différent par rapport à ce qu'on peut trouver en France ? Oui et non. Londres c'est donc une grande ville, il y a un gros pouvoir d'achat, il y a énormément de restaurants, mais les Londoniens sont des gens qui aiment sortir en restaurant, tout comme tous les Anglo-Saxons, les Américains sont pareils. Mm-hmm. Donc tout le monde a à la maison une jolie cuisine qui ne sert à rien, qui sert surtout à faire le petit déjeuner le matin, puisque midi et soir ils sont au restaurant. Tu as participé la semaine dernière à l'introduction de la haute gastronomie française au patrimoine de l'UNESCO. Mm-hmm. Quel a été l'impact d'un tel événement pour toi ? Déjà, 60 personnalités, 60 chefs de la cuisine dans le monde entier. Donc, un magnifique événement à Versailles. Mm-hmm. J'ai été déçu, en revanche, de voir ce qu'il en est ressorti à la télévision, notamment par Jean-Pierre Coff, qui dit « encore un événement pour des riches, à l'usage des riches ». Le petit point de détail qui est quand même important à souligner, c'est que 50% des fonds collectés, soit environ 450 000 euros, ont été reversés pour le Japon. Que penses-tu de la multiplication des émissions culinaires comme Top Chef ? Je suis partagé. D'une part, je trouve ça bien puisque ça parle de notre métier, ça le met en avant. En revanche, je trouve que des émissions où on cherche le sensationnel et l'humiliation, hein, parce que j'ai regardé Masterchef, j'ai trouvé que les candidats ont travaillé davantage sur un registre justement d'humiliation pour faire de l'audimat. C'est ce qui me chiffonne. Ça t'a choqué, ça ? J'ai pas aimé, voilà. C'est pas mon style. En revanche, qu'il y ait des émissions culinaires un petit peu plus subtiles, intéressantes, de découverte, de voyage. Où on va chercher le petit gars qui fait son truc dans son petit coin avec beaucoup d'amour. Ça peut être simplement élever des asperges. Et je suis beaucoup plus sensible à ce genre d'émission. Jean-Christophe Ansanet à la télévision, ça pourrait s'envisager ? On a une émission qui est prévue avec TLM. Mm-hmm. Sinon, on a une petite idée d'émission et qui plaît beaucoup à mes amis anglais, puisque j'avais fait deux émissions de télé à Londres. Mm-hmm. Et donc on a une nouvelle idée, on leur en a parlé, ils sont intéressés pour acheter les droits, donc je pense que notre idée ne doit pas être si mal que ça. Ton travail aujourd'hui reste concentré sur la haute gastronomie, tu vises la troisième étoile ? On vise chaque jour à faire mieux, voilà, ça c'est important. Après les récompenses, ce n'est pas nous qui les distribuons, sinon on serait peut-être déjà 3 étoiles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on s'est laissé dire qu'on était le meilleur restaurant de l'île Barbe. Et déjà, ça me va très bien. Tes projets à venir ? Projets à venir, concentré sur l'île Barbe. Mm-hmm. Agrandissement de la maison. Donc, première tranche, on va créer un espace dans mon appartement où on va pouvoir faire des cours de cuisine dans un esprit un peu différent, qui deviendra un lieu privatif où on pourra organiser des dîners privés, etc. Et deuxième tranche de travaux, c'est la réunification des maisons que j'ai sur l'île. On est propriétaire donc de l'auberge, d'une autre maison que j'avais achetée il y a une dizaine d'années, qui fait tout l'arrière de l'auberge, et puis d'une petite maison que je viens de reprendre à côté. Donc réunification des trois maisons
pour ensuite avoir un jardin terrasse, avoir un outil de travail, notamment sur la cuisine, qui est, c'est une micro-cuisine, elle fait 18 mètres carrés, donc c'est pas toujours facile tous les jours quand il y a beaucoup de monde. Voilà. Jean-Christophe, je te remercie, j'ai vraiment été ravie d'apporter la lumière sur ta belle cuisine et ce très bel endroit qu'est l'île Barbe. Merci beaucoup Sophie.